Ce mur extérieur bâti en parpaing, nous allons le recouvrir d'un crépi à la finition grattée. Petite inspection de la surface d'abord pour retirer d'éventuelles salissures de plâtre, de peinture ou tout simplement de la poussière. Une fois le mur propre, humidifiez-le de préférence la veille au soir. Puis, l'enduit est gâché dans une bétonnière, attention, une bétonnière propre comme un sous-neuf. Calculez bien vos doses et prévoyez environ 5 litres d'eau par sac de 30 kg. L'enduit est ensuite appliqué au mur, en commençant par le haut, soit à la machine, soit comme nous, à la truelle et au platoir. Toujours est-il que vous devez, avec ce produit monocouche imperméabilisant, prévoir 15 mm d'épaisseur. Et ici, pas de gobtis suivi de corps d'enduit, en une seule couche pour une finition grattée, tout y est. Une fois le mur recouvert de façon homogène, dressez l'enduit à la règle. Dressez, car le mouvement s'effectue de bas vers le haut et permet de resserrer l'enduit. L'étape suivante consiste à lisser le revêtement au couteau. Vos gestes sont circulaires et vous n'hésitez pas à repasser sur la surface déjà talochée pour bien uniformiser. Vous pouvez laisser raidir et cela peut durer de 3 à 8 heures selon la température extérieure. Pour une finition grattée, utilisez soit une règle spéciale à gratter, soit un gratton, une taloche munie de pics. Vous devez prendre soin de conserver 10 mm d'épaisseur en tout point pour que le crépi conserve son rôle imperméabilisant. Autour de cet œil de bœuf et près des portes, nous laissons une finition talochée, mais attention, la teinte sera au moins 30% plus claire.